Ok, moi, moi save photo mon nan sou kompite ya. Nou se gen plusieurs façons ka scanner li. Mon nan si mon avoye sou WhatsApp pou tout. Pa bien ke gen moyen pou login WhatsApp sou. Bonsoir tout le monde. Et bienvenue sou Palmi Sakma pou la kan. Jodi ya, nou entame yon seri de vidéo. Kap monte nou demarche. Si yon moun ta interese gagner visa pour USA, n'a parlé de surtout visa B1, B2, ça nous les visas touristes et visiteurs. C'est des visas, ça n'a pas parlé, parce qu'il y a des visas étudiants, il y a toutes catégories de visas, alors 10 visas. Mais je dis à nous, voulons surtout parler dans une série de vidéos. Ça nous a fait 2-3 vidéos sur lui. Eh bien, qui j'en démarche taille lorsque vous voulez faire une demande pour visa B1, B2, visa touristes et visiteurs? En fait, qui ça a besoin pour faire application ça? En fait, on a besoin de passeport, ça veut dire ça, on va l'entrer dans l'application en a. Là, c'est l'information qui est sous passeport, c'est un bagage qui est important. OK? Et on a besoin, ça important, tout photo, parce que mon n'a pas qu'à faire application sans le bagage photo passeport, puisque une première étape application, il demande mon nom pour lui upload une photo de standard passeport. L'autre information, c'est détail, c'est adresse côté à vivre en Haïti. Adresse et côté, en fait, pour venir, en fait, le parler de visa BNBD, il faut que au moins on gagne une famille, le plus souvent ici. Ça arrive tout parfois au bord de visa BNBD, le fait que gagne une institution, soit en l'église qui invite ou, mais il faut avoir une adresse côté que vous venir, ok? Et then, l'autre, c'est détail, si vous mariez et autres, mon nom, et then, c'est à peu près ça. C'est adresse ou l'âge ou c'est à peu près ça. Maintenant, donc nous dit bien deux éléments fondamentaux, c'est toute information qui est sous passeport, avec photo. L'autre de ces détails, c'est adresse ou sous marié et autres. En fait, nous parlons ensemble. Qui ça vous fait comme activité? Donc c'est toute ça, information, ça, nous allons le mettre dans la forme. Okay? Donc, c'est ça mon a besoin pour commencer l'application. Et, en plus, monde qu'on a dit, si vous demandez un visa touriste ou bien le BM, des touristes et visiteurs, combien de vous avez sous carnet? Est-ce que vous avez supposé que vous avez 300 000 dollars sous carnet? Vérité, c'est qui ça dit? Vous n'avez pas besoin de un good. Vous êtes étonné. Vous n'avez pas besoin de un good sous carnet pour faire demande B1, B2. Carnet, vous avez droit blanche. OK? Parce que c'est un visa touriste. OK? Donc, il suppose que vous avez dit que dans quelle occasion le plus souvent vous avez un visa comme ça? Ou bien doit par exemple bien on fait au cap barrier ou bien on se au cap gradué ou bien on petit whatever ça relève une relative une famille ici soit cap gradué l'école ou bien cap marié en fait il y a des moments importants dans la vie mon nom OK mon nom t'a voulu inviter pour venir normalement ça aussi simple que ça raison ça suffit pour un officier bon visa aussi simple que ça pas besoin d'aller comme mais maintenant officiel, le plus souvent, on va l'évaluer pour demander qui soit fait comme activité, qui est qui statue. Est-ce qu'on a un minimum de stabilité? En fait, on a dit au monde qui ne fait rien le plus souvent, okay? Ou pas un minimum de stabilité, okay? Ou pas un professionnel, ou pas fait rien. C'est un peu difficile. Dans le cas ça, pour officiel, à moins que des cas de ces gens qui sont très âgés, des gens qui ont 80 ans, des personnages âgés, on connaît que les gens ça, doivent peut-être pas travailler, autre. Mais pour les gens qui sont plus ou moins jeunes, il faut que le plus souvent, que ou c'est un professionnel, ou bien ça arrive qu'on soit étudiant, mais il faut que vous montrez qu'on gagne une activité et autre. Ça est important parce que officier après à chercher, ouais, est-ce que vous gagnez assez de bagages qui attachent à Haïti pour ne pas quitter le pays? Pour ne pas quitter, pour pas arrêter. OK? C'est ça à chercher, ouais. Tant que vous gagnez plus de bagages dans le pays a, qui montrent que vous attachez, vous gagnez des activités, on a dit que vous gagnez caille. À son point important, il est tout, hein? Ou bon domicile. OK? Donc, même là, ça tout, par exemple, là, mon nage madame ni Haïti tout, c'est un autre point. Parce que là, c'est un peu difficile pour aller quitter madame. Donc, là, c'est mon trou. Et qui s'est cherché le plus souvent dans le visa? Contrairement à ça, en pile, mon pensée, qu'on a dit, il faut quand même charger le corps. Il y a mon qui a dit, il faut que nécessairement que moi, gagne un bon bagage. Et, ou bien, un professionnel qui a vendu tout. On a dit au monde, qui gagne plusieurs sous visa côté que la liste domaine va pas acheter, OK? Elle dit vous dire que son monde qui a bougé, son monde qui a fait activité. Ça c'est une valeur tout. On a dit que ou c'est
I don't know, secrétaire de direction non compagnie, whatever, ou c'est trésorier, ou c'est comptable, ou son professionnel. Donc ça, c'est en plus dans le cadre évaluation de candidat. Et c'est mon trop prérequis pour comprendre ça, officiel à chercher, et dans évaluation candidat, et dans le cadre de visa, visiteur là, qui c'est BNB2. En fait, toute activité est faite sous à peu près deux websites. C'est-à-dire les activités d'application, ça a démarche là. Premier website là, c'est souligné là. En fait, nous gagnons pour aller dans la partie qui est le 2S160, qui est le Online Non-Immigrant Visa. OK? Et, bon, montre au website, ça, on va regarder bien là, on va continuer à lire ensemble avec, c'est https://CEAC. CEAC, c'est Consular Electronic Application Center. Et ça, c'est CEAC. CEAC, et puis, bon, point, date. Et puis state, et puis bon l'autre point encore, et puis gov. Et puis, où est ton slash encore? Et puis, réécrit CEAC encore. CEAC, m'a dit pour nous, Consular Electronic Application Center, slash. En fait, c'est ça pour taper dans bon ça qui pour mener là. OK? Donc, pour ne plus écrire ça, parce que c'est là où on a besoin de venir pour full première phase là, qui c'est application visa BNB2. D'accord? Ça, c'est première phase là. DS160, nous allons regarder l'ensemble, c'est là, nous allons entrer toutes les informations passeport, nom, nom et autres. OK? D'accord? Donc, je nous dis, c'est deux côtés, toutes démarches pour demander visa faites deux côtés. Les faites sur le premier site, ça que nous avons, on a répété la bouche, nous t'ai écrit déjà. L'important pour écrire, c'est HTTPS, deux points, et vous gagnez slash slash, et vous gagnez CEAC, point, et vous gagnez stake. C'est S-E-T-A-T, et puis, ou bien point encore, ou bien gov, et puis ou bien slash, ou bien CIAC. Donc, c'est là pour une faire application visa. Maintenant, lorsqu'on fait application visa, ou bien pour aller sur l'autre website, ça veut dire, ou bien confirmation que visa fait. Maintenant, ou bien gagner pour faire ça, nous, les appointements, il faut fixer appointement pour mon nom, car aller dans l'ambassade là. C'est ça, il faut aller venir sur le deuxième website, ça, Bambalouli, qui c'est www.ustraveldoc.com. com/acheter. C'est là où on gagne, par exemple, si on clique, c'est sous l'email là. OK, on va cliquer sur login. OK. Là, dans mon premier page, là, on est capable de cliquer sur New User. Il dit son nouveau monde pour montrer l'information. OK. Donc, généralement, c'est sous website, ça, on va venir pour fixer rendez-vous pour l'ambassade là. OK. C'est, en fait, c'est deux phases. OK, c'est là. Mais, son démarche, disons, nous pouvons commencer, nous sommes dans 7 minutes là, nous pouvons commencer aujourd'hui avec la première démarche là qui c'est remplir visa application. Que vous êtes capable de faire dans DS-160, il y aurait le lit online non-immigrant. Parce que yon, qu'on différence entre immigrant avec non-immigrant. Ok, nous, immigrant, c'est généralement les gens qui sont venus pour le retenir, résident, mais toutes les fois que vous avez un visa temporaire, et que ou pas venir pour retenir un pays, c'est un non-immigrant, donc c'est DS-160, ok? C'est lui-même que nous prenons le full, et je vais bien dire pour full, ou besoin de toute information passeport, mon nom, numéro passeport, les passeports expirés, généralement, mon nom, et puis, ou besoin d'une photo, parce que premier, ça, vous parlez de upload une photo, et si photo n'est pas bon, système n'a pas bon. Et puis, tout l'autre de ces détails, adresse mon nom, si mon nom est marié, ok, qui activité mon nom fait, ok? Il y a besoin d'adresse côté la venir en tout. Okay? Et qui type de relation que le gagne avec monde côté que la venir. OK. On allait nous pour faire ensemble et application et pour visa DS-160. On nous dit que vidéo ça nous a censé faire en plusieurs étapes puisque nous voulons aider en ce sens, nous pas le temps à le faire pour tout bagarre appointement. On regarde si nous qu'a fait ensemble même lorsque nous pas ta fini puisque nous avons une série de vidéos n'a fait sur ça. Qui c'est vidéo qui j'en pour faire demande et visa BNB2 pour USA. En cliquant sur lui, DS-160, ok, non-immigrant. Allez sur lui. Ok, donc ce système là, on nous fait li beaucoup pour capable de bien. Ok, là nous fait paraître la lisi, nous sélectionné qui paye. Ça qui arrive au monde trouver dans l'autre pays, même si c'est haïtien, mais à ce moment qu'il est légal dans le pays. Le monde qui doit au Brésil, à ce moment qu'il a le papier,
et que l'ICAL fait interview à l'ambassade des États-Unis qui trouve le Brésil. Il faut que l'I bandit, il faut que l'I réside en Brésil, qu'il légal au Brésil. Okay? Maintenant, puisque dans le cas, on a parlé de Haïti, on a dit qu'ils sont qui Haïti, il sait que ça va pas grand-pile. On cherche des pays, on cherche, on doit poser H pour venir Haïti, même. Et Haïti. Choisis Haïti. Okay? Maintenant, l'arrivée là, il dit simplement pour entrer un code. Okay? N'a juste entré code ça qui là. OK? Pour voir si, en fait, c'est code généralement pour voir est-ce que c'est pas un robot. Et puis, nous parlons de la partie ça. C'est le premier bas, la photo. Généralement, ou cas, cette application, même tout conseil pour test photo. Pour est-ce que photo, mon envoie bas ou c'est bon. Ou pas qu'à faire application sans photo. OK? Parce que, anyway, même à la fin, il faut mettre photo. Donc, on sait, make sure, est-ce que photo, mon nom, bon, avant. Test photo. Nous allons tester photo. Hein? Voilà, li simple, il va gagner rien de compliqué. Li upload, wap choose, mais faut photo à sous computer. Je t'avais dit, il y a deux possibilités. Ou bien, doit dire, mon envoie photo à par WhatsApp, ou bien, si mon envoie photo à vous, normalement, l'email, ou bien, scanner, ou bien, cadrer. OK? Ou bien, si mon envoie par WhatsApp, ou bien, doit envoyer par mail, tout. Il y a des de gros go photographes en Haïti, ils ont fait une photo passeport, ils vont par email ou voile. Laisse on est dans notre photo à sous computer, parce que faut capable upload. OK? Donc, OK. Moi, je n'ai pas de photo ça sur le computer, bon, si tu m'as appelé, je vais le voir sur le computer pour être capable d'uploader, d'accord? Ok, moi, et mettez, moi, save photo maintenant sur le computer. Nous avons plusieurs façons de scanner. Si mon envoyé sur WhatsApp pour tout, pas bien qu'il y ait moyen pour login WhatsApp sur desktop. Je suis même en vidéo sur ça pour que vous download photo. Comme ça, tout le monde n'a qu'à voir une photo à pas email. Whatever. Ok. Maintenant, c'est test, nous parlons, est-ce que photo a respecté les critères. En fait, ma pique chose. OK, moi, je vais choisir folder. OK, moi, je choisis folder. Moi, je choisis photo, OK. Je choisis photo, OK. Maintenant, ma propre l'autre, pour moi, est-ce que le bon, depuis photo a bon, ma continue. Voilà. Donc, il dit, moi, que photo a passé qualité standard, là. Kounye la map di continue using this photo. Donc, kounye am kapab continue. Et puis, pou mwen kapab use photo sa. Ok? Ok. La mwen an continue using this photo. Donc, sa table di, map just entre code la anko. Ou est-ce que c'est pas un robot? Et puis, mwen pral commencer application. Ok? Mwen start pou nou kapab commencer application. Donc, ça, c'est première page d'application. Premier, ça, au moment où, en fait, il y a mon numéro d'application qui est bouché. Il y a besoin de questions, en fait, vous pouvez choisir plusieurs questions là. Il y a sa question de sécurité. C'est important parce que si vous avez une perte d'information, vous avez besoin de login back. C'est security questions là, il faut songer. Il faut faire des réponses qui ont été balles. Vous pouvez choisir n'importe. OK, non, vous pouvez choisir une question ça. OK. Par exemple, là, vous dites, what city did What town did your mother and father meet? Ça, c'est un exemple. Choisis n'importe et vous avez une réponse. Mais écris le côté pour pas oublier. OK? Donc, je vais choisir ça et puis je vais avoir une réponse. Je vais quitter nos juste pour ne pas connaître une réponse secrète là. Donc, on choisit une question, mettons une réponse et puis je vais faire continuer. Donc, cliquez continuer. Je vais aboutir sur pas ça. Remarquez bien, moi, boucher ça, c'est assez application ID number là que tu as supposé écrire de l'autre côté parce que n'importe les Ou déconnecter, ou a besoin d'entrer numéro application hein, avec question secrète là, avec leur fait pour capable login. Et ou a besoin numéro ça tout, leur pral, la deuxième phase, pas bien, deuxième phase, c'est leur pral fixer appointement. Mais bien avant, et ou bien pour full visa application, c'est DS-160, c'est lui-même n'a fait là. En fait, pas bien que n'a parlé de visa B1, BD, j'en ai des visa touristes. Et visiteurs business, en fait, BMBD a dit touriste business. C'est à peu près ça, en fait. Les deux à la fois. Et j'en ai regardé sous bord gauche à là, j'ai regardé personnel. Ça veut dire question personnelle qui j'ai relayé, adresse ou date ou fait, numéro passeport. Je vais poser la question, est-ce qu'on voyage déjà aux États-Unis? Est-ce qu'on voyage pour compte ou bien avec un monde? Est-ce qu'on te voyage déjà? Qui contact ou gagne aux États-Unis? Qui famille ou gagne? Et je vais poser la question sous qui travaille ou fait, qui activité? Et qui niveau éducation? En fait, Noël, c'est tout ça, on a bien. Et dernière question, c'est pour des questions de
Et généralement, c'est des questions yes, no, yes, no. Ça n'est les background security, côté qui a demandé, par exemple, est-ce qu'on tire les armes, est-ce qu'on s'est bandit, est-ce qu'on volait. C'est des questions yes, no. En fait, c'est toute question ça que nous parlons bien. L'élever dans la dernière partie, et que nous avons gagné pour nous, submit application. En fait, première phase là, c'est application qui peut couvrir dit rien. OK? Parce que, on parle de deuxième phase là, j'ai dit là, c'est lorsque vous parlez dans l'autre website pour aller entrer et numéro application et autres pour faire payer. En fait, là, il y a un ça. Là, actuellement, là, nous sommes en phase. Côté NAP, file application BNB2A qui c'est Visa. En fait, là, nous, c'est des questions de base. Je nous, là, nom, nom. En fait, ça y est, nom de famille, prénom, ni. Et on m'a dit, est-ce qu'il utilise l'autre nom? Nous, est-ce qu'il y a un télécode? Il y a un monde qui gagne. En fait, ça y est, tout, ça y est, c'est marqué, bah, ça, on a télécode qui va être non, ni. Et, mais le female, ça aussi des questions easy, nous n'avons pas besoin d'expliquer, ou sous marié, ou à mettre sous single, whatever, qui statut qu'on y a. Maintenant, date, la date plus of birth, ou à bien, pour bail, date ou fait, et puis, qui ville, si c'est pas au point, comme puis, faut haïtien, c'est pas au point, si au fait. Et puis, conduit à Cap Haïti, ok, et en fait, conduit à Cap, on va mettre tout, mettez ça, tout le monde, en fait, voilà. Donc, voilà. Moi, je vais tout faire ça. Et puis, après, ça m'a fait personnel tout pour me caler dans la question, toujours question personnelle. Moi, je vais faire un petit campé vidéo parce que je vais vous donner information pour nous remplir partie ça. OK? Donc, moi, je remplis toute information. C'est des questions faciles. En fait, moi, ça, j'ai une relation qui est single. Birth, daily, date, les fêtes. En fait, je vais parler de state, province, non pas de state. Et puis, ça, c'est pays Haïti. Donc, c'est question personnelle. Maintenant, je vais cliquer pour m'aller dans personnel tout. OK? On allait dans la question personnelle, tout que moi, bien, vous me répondre. Si on regarde à gauche, nous toujours dans la question personnelle, mais question personnelle en deuxième position, c'est simple. Et dis-nous là, compte région d'origine, côté monde ça sorti, en fait, puisque nous allons adresser nous, généralement, la communauté haïtienne, nous allons mettre ça pour, c'est Haïti, est-ce que vous dites monde ça a une autre nationalité, en dehors de ça, en fait, nous sommes capables de dire ça, c'est non. Est-ce que monde ça a un permanent résident de l'autre pays? Order de Haïti, c'est non. En fait, si, ou bien, en fait, nous connaissons quand même monde qui est permanent résident au Brésil. Si vous êtes permanent résident au Brésil, vous avez dit yes, c'est pour mettre Brésil. National Identification, ça veut dire si vous êtes en gagné, national, ça veut dire carte d'identification nationale, ou bien monde qui pas gagné. Si vous êtes en gagné, vous mettez le, mais si vous n'êtes pas gagné, carte d'identification nationale, ou vous avez droit à cliquer, vous pouvez cliquer There's not apply. OK? National Identification Number. Social Security, nous n'avons pas de ça en Haïti, des apply. UX Taxpayer ID, nous connaissons quelques rares monde qui connaissent dans le business, ils ne pas vivre aux États-Unis, ils connaissent un ID pour régler les taxes, dans le cas ça va mettre, mais puis pour monde, ça aussi, des not apply. Mais nous connaissons quelques monde qui sont capables de mettre carte d'identification nationale là, on mettait là. On dit, ce n'est pas un trop big deal ça. Et puis, à partir de ça, nous parlons au niveau de adresse. Et puis après, ça n'a pas un passeport. On pique pour plus devant pour adresse avec téléphone. On pique next. Donc, on a regardé à gauche, nous, dans la section adresse et téléphone. Pas rien de compliqué. Yo just mano qui adresse ou en Haïti. On va mettre un numéro adresse là, ville là. Nous pas gain state. Et nous pas gain zip code tout. Pays assez Haïti. OK. Maintenant, yo mandé est-ce que mailing adresse ou c'est ma zéro adresse? Puis, faut moun se yes. Son question pour qui ça opposé, parce que si tout pour pas bon ici nous gagne ça en fait pas tout le monde quelques rares monde qui fait ça mon quand utiliser un PO box pour recevoir mail et puis du grand adresse physique donc laissez ça il qu'on demande de préciser mais puis faut monde c'est même adresse qu'il recevoir mail c'est lui-même que l'adresse physique et puis téléphone et puis ou gagne doit pas gagner secondaire téléphone ou gagne doit pas gagner téléphone tout et puis email en fait pas rien de compliqué surtout non adresse et téléphone. Donc, on a fini de remplir ça. Après, ça, on a piqué pour passeport. OK? On a rempli partie ça. Donc, nous remplissons section adresse là. Nous mettons téléphone, nous mettons email pour mon nom. Et puis, on a traversé pour aller dans la section passeport. On a cliqué passeport. Si nous regardons à gauche là, nous voyons que nous quittons personnel, adresse, là, nous avons passeport. En fait, nous demandons de sélectionner travel document. Il y a plusieurs. En fait, si vous voulez, ou pas gain officiel, ou pas gain diplomatique, gain laissez passer. Mais nous autres, le plus souvent, c'est régulier. Vous avez dit passeport régulier. Mettez numéro passeport là, là. Passeport, book number, généralement, nous pas gain ça en Haïti. Country, qui bail passeport, c'est Haïti.
côté passeport a été issu, puisque n'a pas libéré Haïti, puis faut presque tout passeport en Haïti, c'est Port-au-Prince sorti, capable de quelques exceptions. OK, on nous fait regarder, en fait presque tout c'est Port-au-Prince, OK? On nous dit state, pas rien state, nous pas ça. Mais dans issuance date, on regarde dans passeport, c'est date passeport a fait. J'en dis en créole là, c'est ça nous relève et date d'émission. OK, ce passeport a date passeport a expiré. Have you ever lost le passeport, et puis, en fait, on dit, yes ou non. Généralement, on dit, non. On dit, OK. Donc, on allait. On remplit ça, et puis après ça, nous allons traverser pour Next Travel. OK? Des informations, pas grand là-dedans. Nous allons remplir, et puis nous allons appliquer Next pour Travel. OK? D'après Travel, on regarde combien de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'importe 7 sections que nous aurions été additionnelles. OK? On essaie de voir si nous allons faire beaucoup plus vite. Donc, nous mettons le numéro de passeport, son régulier passeport, son passeport qui fait à Port-au-Prince, ça c'est date passeport, date d'émission et date expirée. On ne va pas jamais dire passeport. Et puis, nous parlons next là pour travel. OK? On clique next pour travel. OK, travel là, ça a demandé, premièrement, on a besoin de purpose travel. Ça veut dire catégorie, en fait, on a appliqué pour visa B1, B2. B1, B2, c'est visa ou bail pour. Ça nous les touristes, visiteurs, en business, tout. Donc, ça fait le B1, B2. Donc, nous partis, on cherche le côté qui mène. Temporary et pleasure. Temporary business pleasure visitor. C'est ça. Là-dedans, il y a plusieurs types. Gain B1. B1 simplement, c'est pour business avec conférence. Ça peut arriver commander. Mais le business, il faut nous demander tous les deux. Ça veut dire qu'on peut avoir juste à la fois l'ordre aller pour visiter en famille. Mais nous connaissons un peu le monde qui vient, même les unités familiales, ils ont besoin d'acheter pour vendre tout. Donc, il faut que nous choisissions B1, B2. D'accord? Aussi simple que ça. Et puis, là, on demandait qui date ou bien intention. Ça va vite, ça, il n'y a pas précis. On dit actuellement, là, nous sommes au mois de mars 2018. Généralement, toujours mettez nos 3 mois plus tard. Vous comprenez? C'est comme si vous avez qui date ou bien intention d'entrer dans l'OSC. Ou bien, vous êtes dans 3 mois, par distance, pour aller à l'interview, d'ailleurs, quand qui l'interview va tomber. Généralement, le mettez long 3 mois plus tard. Combien de jours l'intention fait? It's up to. Mon bac à mettre, vous voulez faire 6 mois, 5 mois. On dit, mettez-en 2 mois. Okay? Mais généralement, tout conseiller, mon fait en 3, 4 mois. Pas aller dans 5 mois. Okay? Ça va vous dire ça, non? Mais si tout le temps, après de faire 5 mois, 5 mois, alors, vous n'avez pas garanti. Vous pouvez faire une fois, 2 fois, mon cas, un problème. Okay? Donc, maximum, je pense que c'est supposé en 4 mois. Mais si j'ai quoi, après de faire 5 mois, à la fin, il y a posé aux questions. Donc, combien de temps ou d'intention était? On dit, mettez, moi, mettez, et 3 mois. OK? Même là, on mettait 3 mois, on a fait 4 mois, pas un problème. OK? Qu'on a demandé adresse, côté que vous apprêtez à, moun qui a payé pour vous, OK? Est-ce que c'est, ou même qui a payé peut-être pas? Est-ce que c'est, ça n'a rien, les relative, other person, whatever, ou à mettre, et puis, on va demander l'information. On mettait tout, on a besoin d'informations sur moun, ça. Si c'est frère qui a payé pour vous, bien, si c'est, Madame Morel, ok, c'est aussi simple que ça, ok? Donc, nous allons remplir partie ça, après ça, on applique. Travel Compagnon, nous, Travel Compagnon, hein, mais nous, c'est, nous allons poser une question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voyagé avant? Okay. On nous remplit partie ça. Un petit conseil pour section ça. Et on t'a dit, où sont les gens qui sont jeunes, les toujours, bah, plus valeur lorsqu'on dit c'est au cap payé, triple, vous comprenez? Fait généralement, si vous avez 80 ans, OK, au cas 10, c'est petit tout, c'est pas un problème. Mais au monde qui vient, ou sont professionnels, ils sont plus bons lorsque c'est eux-mêmes qui payent. Comme ça, tout. Si c'est, en fait, c'est des cas, hein. Si c'est madame, on va qui a fait son visa pour, elle doit dire, c'est, on l'autre monde, vous comprenez, il y a madame. Mais le plus souvent, pour des monde qui jeunes, officier à base, ça a pris importance parce que c'est monde qui a payé voyage, vous comprenez? Il paraît beaucoup plus responsable. Mais ça qui arrive et tout, en fait, toute question. On dit, yon moun qui n'a 60, 50 ou, et ou, ça qui arrive que son moun qui a payé pour tout. Vous comprenez? Ok, donc c'est qu'on apprend. Son advice. Pas qu'on garantit à 100%. Ok. Nous partons pour, next là qui c'est Travel Compagnon, côté qu'on parle de question, avec qui est-ce qu'on va voyager? Soit voyager pour contribuer avec un autre monde. Ok, on clique pour Travel Compagnon qui c'est next. Travel Compagnon qui c'est next, une petite question bien easy. Maintenant, vous dire, c'est pour le monde qui a travaillé. Puis, pour le monde, c'est pour continuer à voyager. On est cliqué nous. Et puis, next, côté, on va parler de preview US travel. Côté, on va demander, est-ce que dans le passé, où t'es qu'on a habitué, ou bien où t'es fait un voyage dans l'US? Pas menti dans ça. Mais si t'es qu'on voyage une fois dans l'US, il y a, là, on fait finger point, il y a un pouvoir, on va menti, on va avoir un visa. On va mieux aller, menti.
ou bien tout sou te gen, en fait, gen moun ki pense ko ka fè mè dam, sou te nan USA, ou adè fè ou te depote ou, pou yon adè fè mandat, fè mè dam sa. Parce que lè ou al fè screening nan, yap wè ou, yap vin wè kote nan peyi, ya ilegal ou te fè zak, pou yon al pren chans, yap wè kanmè, ok? Donc, preview, person traveling with you, no, before moun te nou yap mette, preview US travel, an gade sa di, preview US travel. Preview US travel, se de kisyon ap pou, esko te kon abitye vin USA deja? Have you ever been in USA? Before moun te nou. Have you ever been in issue visa? Si ou te bo visa deja? Yes ou bien non? Si se yes to ap, mette li. Have you ever been refused? Eske ou te bo refus visa deja? Yes ou bien non? Et eske ou te file immigrant petition on your behalf? Eske yon moun ki te file? Yon moun ki kon pose kesyon sou sa. Et an da di ke maman, adomye, mari ou madame ou whatever, yon moun ki yon os Etats-Unis, te gantan fè yon aplikasyon, sa nre le yon imigran visa, ave di, yon bagay pou ka. En fait, lem di imigran visa son lot ka, ilè pou vini, si pou gen permanent rezidant. Yo kon la pose kisyon la, eske si mwen deja yon moun ki deja sou aplikasyon, ki gen yon kez imigran visa, eske antre tan moun nan pou ko vini, mwen kapab al fè deman yon visa pou li. Oui, men li difisil. En fait, li, oui, fò moun nan, mwen se moun fè kez kon sa kote ke gen yon moun li rempli, gen aplikasyon pou maril deja, e de maril alman de visa yo bali. Men map di nou ke li pa fasil, losko deja gon imigran visa pou alman do lor visa BNB2, pase yon gen do a di, bon, deja gon kez deja, pou tèt ko ka ale pou tou rete pou fin fè kez ou. Nan yon wese, kompren? Donk, men, as long as, kompren bien, aussi longtemps qu'on a prouvé qu'on a un minimum de stabilité, qu'on soit professionnel et autres, qu'on a des activités en Haïti, il y a pas où. C'est ça, vous comprenez? Mais dans le cas, ça, comme dit, officier, ou généralement, des fois, on a un immigrant visa. Non, bien dit ça, qu'immigrant visa, oui. C'est lorsque vous avez une famille, whatever, vous avez son frère qui fait une pétition pour vous, vous avez un faux frère, citizen, by the way, vous avez un mari ou bien madame qui fait une application pour vous, ou bien maman, papa, ou des petites qui fait une application pour vous. Et dans le cas, ça, vous avez un visa BNB2. Officier a kon ti jan ap gratte tèt paske li panse ke peut-être ke pisk ou gon kes deja nan USA, peut-être ko ka ale pou tou rete, ok? Men nou di nou gen de ka deja ken trete kote ke yo bay moun, ok? Mètenan, en fait, nan ka sa, moun nan pa gen ken petisyon, l mette nou. Sou gen yes tou, li son eleman pozitif tou, osi lontan kon montre ko son profesyonel. Mètenan, nou fini ap preview travel, nan pati nan US kontak, ki yon di ki es ki kontak ou, ki kontak ki ou gen aux États-Unis. On clique sur le livre next pour nous aller là-dedans. Patrice a demandé, mais qui est-ce qui prend contact? Puis, pour moi, ça met dans ça, c'est une famille. Soit maman, papa, frère, c'est whatever. Moun que ou vin ouya, comme ça, tout parfois le capable d'une organisation, tout. Il y a une église ou bien un club culturel, whatever, ou mettre. Donc, là, nous allons mettre nos moun, contact ligue dans l'USA, généralement, capable une famille. Et puis, relationship. Est-ce que moun, ça, c'est madame ou amis ou? Ok, whatever, ou bien on va mettre relatives, laisse on va mettre adresse là, et autres. Donc c'est à peu près ça, c'est ça, nous les us.contact. Donc nous allons finir ça, après ça, on va cliquer next pour family, c'est côté vraiment l'OS, comment, oui, whatever. Okay. Maintenant, on nous remplit ça. Desktop, je suis en vidéo sur ça, pour que vous download photo. Comme ça, tout le monde n'a pas vu photo à pas email, whatever. Okay. Maintenant, cette question, nous allons voir est-ce que photo a répondu. Respecter critères. En fait, ma pique chose. Ok, moi, je vais choisir folder. Ok, moi, je choisis folder. Moi, je choisis photo. Ok, je choisis photo. Ok, maintenant, ma propre l'autre livre. Pour moi, est-ce que le bon? Depuis photo a bon, ma continue. Voilà. Donc, il dit, moi, que photo a passé qualité standard. Là, qu'on est là, m'a dit, continue using this photo. Donc, on est capable de continuer. Et puis, pour moi, capable de use photo, ça. OK? OK. Là, maintenant, continue using this photo. Donc, ça t'avait dit, m'a juste entré code là encore. Oui, est-ce que c'est pas un robot? Et puis, on va commencer l'application. OK? Nous start pour nous capable de commencer l'application. Donc, ça, c'est première page d'application. Hein? Premier ça au mando yo en fait yo ban nou numéro application ke bouché yo pose une question en fait ou ka choisir plusieurs questions là yo les sa question de sécurité ça important parce que si ou ta vinn pedi information yo ou a besoin login back
c'est security questions là faut songer là, faut faire une réponse qui au débat là, on a choisi n'importe OK non, on va choisir une question ça yo. OK. Par exemple là, il dit what city did what town did your modern father meet? Ça c'est un exemple. Choisis n'importe pour bailler une réponse, mais écris le côté pour pas oublier, OK? Donc moi pour aller choisir ça et puis moi bailler une réponse. On va quitter nous elle juste pour ne pas connaître une réponse secrète là. Donc, on choisit une question, on met en réponse, et puis m'a fait continuer. Donc, l'aime cliquer continuer, moi abouti sur pas ça. Remarquez bien, moi, boucher ça, c'est assez application ID number là, que tu as supposé écrire de l'autre côté, parce que n'importe où, vous déconnectez, vous avez besoin d'entrer numéro application, avec question secrète là, avec leur fait, pour capable de login, et vous avez besoin numéro ça à tout, leur pral, la deuxième phase, pas bien, deuxième phase, c'est leur pral fixer appointement. Mais bien avant, et ou bien pour full visa application, c'est DS160, c'est lui-même n'a fait là. En fait, pas oublier que n'a parlé de visa B1, BD, visa non, visa touriste et visiteur business. En fait, B1, BD, on dit touriste business. C'est à peu près ça. En fait, les deux à la fois. Et j'en ai regardé sous bord gauche à là, on a regardé personnel. Ça veut dire question personnelle qui j'ai relayé, vraiment adresse ou date ou fait, numéro passeport. Je vais poser aux questions, est-ce qu'on voyage déjà aux États-Unis? Est-ce qu'on voyage pour compte ou bien avec un monde? Est-ce qu'on t'es voyagé déjà? Qui contact ou gagne aux États-Unis? Qui famille ou gagne? Et je vais poser aux questions sur qui travaille en fait, qui activité et qui niveau éducation. En fait, Noël, c'est tout ça, on a bien. Et dernière question, c'est pour des questions de. Et généralement, c'est des questions yes, no, ça n'est les background security, côté qui a demandé par exemple, est-ce qu'on compte tirer des armes, est-ce qu'on s'est bandit, est-ce qu'on volait, c'est des questions yes, no. En fait, c'est toutes questions ça que nous allons gagner. L'élève est dans la dernière partie et que nous allons gagner pour nous submit application. En fait, première phase là, c'est application qui peut couvrir dit rien. Ok, parce que vous parlez deuxième phase là, je dis là, c'est lorsque vous parlez dans l'autre website pour aller entrer et numéro application et autres pour faire payer. En fait, là, on voit ça. Là, actuellement, là, nous sommes en phase. Côté de la file application BNB2 qui c'est Visa. En fait, là, nous voyons, c'est des questions de base. Je vois là, nom ou nom. En fait, ça y est, nom de famille, prénom, ni. Et on m'a dit, est-ce qu'il utilise l'autre nom? Nous. Est-ce qu'il y a un télécode? Il y a un monde qui gagne. En fait, ça y est, tout, c'est ma base, ça. Télécode qui va être non, ni. Et. Mais le female, ça aussi une question easy, nous n'avons pas besoin d'expliquer, ou sous marié, ou à mettre sous single, whatever, qui statut qu'on y a. Maintenant, date, la date plus of birth, ou à bien pour bailler date ou fait, et puis, qui ville si c'est pas au point, comme pifo haïtien, c'est pas au point si au fait, et puis, country à cap Haiti, ok, et en fait, country à cap, on va mettre tout, mettre ça, et tout le monde, en fait, voilà. Donc voilà. Bon, je vais tout par ça. Et puis, après ça, m'a fait personnel tout pour me caler dans la question, toujours question personnelle pour vous. Je vais faire un petit campé vidéo parce que je vais vous donner information pour nous remplir partie ça. OK? Donc, moi, remplir toute information, c'est des questions faciles. En fait, mon sage, nous, là, c'est un monde qui est single. Birth, daily, date, les fêtes. En fait, on parle de state, province, nous parlons de state. Et puis, ça, c'est pays Haïti. Donc, c'est des questions personnelles. Maintenant, on va cliquer pour m'aller dans personnel tout. OK? On va aller dans la question personnelle. Tout que moi, je vais me répondre. Si nous regardons à gauche, nous sommes toujours dans la question personnelle, mais question personnelle en deuxième position. Les simples, nous disons là, continue région à origine. Côté monde, ça sorti. En fait, puisque nous regardons, c'est nous, généralement, la communauté haïtienne, nous avons mis ça pour. C'est Haïti. Est-ce que nous disons monde, ça a une autre nationalité en dehors de ça? En fait, nous sommes capables de dire ça, c'est non. Est-ce que monde, ça a un permanent résident de l'autre pays en dehors de Haïti? C'est non. En fait, si. Ou bien, en fait, nous connaissons quelqu'un moun qui gagne permanent résident au Brésil. Si gagne permanent résident au Brésil, ou a dit yes, c'est pour mettre Brésil. National identification, ça veut dire si vous êtes grand gagné, national, ça veut dire carte d'identification nationale ou gagne moun qui pas gagné. Si vous êtes grand gagné, ou a mettre le mais si vous pas grand gagné carte d'identification nationale ou gagne doit cliquer ou ka cliquer does not apply. OK? National identification number. Social Security, nous n'avons pas de ça en Haïti, des apply. UX Taxpayer ID, nous connaissons quelques rares monde qui connaissent un business, ils ne pas vivre aux États-Unis, ils connaissent un ID pour régler les taxes, dans le cas ça va mettre, mais puis pour monde, ça aussi, des not apply. Mais nous connaissons quelques monde qui sont capables de mettre carte d'identification nationale là, ou mettre là,
On dit c'est pas un trop big deal ça. Et puis, à partir de ça, nous parlons au niveau de adresse. Et puis après, ça n'a pas un passeport. On pique pour devant pour adresse avec téléphone. On pique next. Donc, on a regardé à gauche, nous, dans la section adresse et téléphone. Pas rien de compliqué. Yo just mano qui adresse ou en Haïti. On va mettre un numéro adresse là, ville là. Nous pas gain state. Et nous pas gain zip code tout. Pays assez Haïti. OK. Maintenant. Yo mande, eske mailing adres ou se ma zero adres? Pi fò moun se yes. Son kesyon pou ki sa opose l, paske si tou pou, pa boy si tou nou gen sa, anveye pa tout moun, kelke ra moun ki fe sa, moun nan kon itize yon PO box pou lesevo a mail, epi li gon adres fizik. Dok lese sa, yo kon mando prezise. Men pi fò moun, se menm adres ki lesevo a mail, se li menm ki la bi fizik, epi telefon ou, epi ou gen do a pa gen sekondal telefon ou gen do a pa gen wèk telefon tou. Et puis email. En fait, pas rien de compliqué, surtout dans adresse et téléphone. Donc, on a fini de remplir ça. Après ça, on a piqué pour passeport. OK? On a rempli partie ça. Donc, nous remplissons section adresse là. Nous mettons téléphone, nous mettons email pour mon nom. Et puis, on a traversé pour aller dans la section passeport. On a cliqué passeport. Si nous regardons à gauche là, nous voyons que nous quittons personnel, adresse, là, nous avons passeport. En fait, je demande nous sélectionner travel document, il y a plusieurs. Ça fait tirer régulier, ou pas gain officiel, ou pas gain diplomatique, gain laissé passer. Mais nous autres, le plus souvent, c'est régulier. Avec dit passeport régulier. Mettez le numéro passeport là. Passeport, book number, généralement, nous pas gain ça en Haïti. Country, c'est qui bail passeport, c'est Haïti. Côté passeport a été issu, puisque nous avons parlé de Haïti. Puis, presque tout passeport en Haïti, c'est Port-au-Prince sur sorti. Capable de gain quelques exceptions. OK, on en fait regarder. En fait, presque tout, c'est Port-au-Prince. OK. On nous dit state, pas gain state, nous ne pouvons pas ça. Maintenant, issuance date, on va regarder dans le passeport, c'est date passeport à fait. J'en dis en créole là, c'est ça, nous relève date d'émission. OK, ce passeport est date passeport à expiré. Have you ever lost le passeport? Et puis, en fait, on dit yes ou non. Généralement, on dit non. On dit OK. Donc, on allait, on nous remplit ça, et puis après ça, nous allons traverser pour next travel. OK? Des informations. Pas grand là-dedans. Nous allons remplir et puis nous appliquer Next pour Travel. OK? D'après Travel, on regarde combien de temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'importe 7 sections que nous étions additionnelles. OK? On essaie de voir si nous pouvons faire beaucoup plus vite. Donc, nous mettons le numéro de passeport, hein, son régulier passeport, son passeport qui fait à Port-au-Prince. Ça, c'est date passeport, date d'émission et date expirée. On ne sait pas jamais du passeport. Et puis, nous allons aller Next là pour Travel. OK? On clique Next pour Travel. OK, travel là, ça a demandé, premièrement, on a besoin de purpose travel. Ça veut dire catégorie, en fait, on a appliqué pour visa B1, B2. B1, B2, c'est visa ou bail pour, ça nous les touristes, visiteurs, business, tout. Donc, ça fait le B1, B2. Donc, nous partons, on cherche côté qui mène. Temporary et pleasure. Temporary business pleasure visitor. C'est ça, là. Là-dedans, il y a plusieurs types. B1. B1 simplement, c'est pour business avec conférence. Ça qui arrive de commander. Mais le plus souvent, il faut nous demander tous les deux. Ça veut dire qu'on peut avoir juste à la fois l'ordre aller pour visiter en famille. Mais nous connaissons un peu le monde qui vient, même les visites de famille, ils ont besoin d'acheter pour vendre tout. Donc, il faut nous choisir B1, B2. D'accord? Aussi simple que ça. Et puis là, on demande qui date ou bien intention. Ça va mettre ça. Il n'y a pas précis. On dit actuellement, là, nous sommes au mois de mars 2018. Généralement, toujours mettez-le 3 mois plus tard. Vous comprenez? C'est comme si vous avez qui date ou bien intention d'entrer dans l'OSC. Ou bien vous êtes en 3 mois, par distance pour l'interview, d'ailleurs, quand qui l'interview va tomber, généralement, vous mettez le 3 mois plus tard. Combien de jours vous avez intention de faire? It's up to. Mon bac à vous faire 6 mois, 5 mois. On dit, ou on dit, mettez en 2 mois. Okay? Mais généralement, tout conseil, mon faire en 3, 4 mois. Pas aller dans 5 mois. Okay? Ça va vous dire ça, non? Mais si tout le temps, vous pouvez faire 5 mois, 5 mois, alors, vous avez une bonne garantie. Ou ka fè l'on fwa, 2 fwa, moun ka gen problem. Ok? Donc, maksimum nan basè li ta suppose yon 4 mwa. Mè si jè kwa pè di fè 5 mwa, a la fin ya pose o kèsyon. Donc, konbyen tan ou gen tansyon rete, an di mwete, mwen mwete e 3 mwa. Ok? Mèm lò mwete 3 mwa, ou ka fè 4 mwa, lè pa yon problem. Ok? Koun ya yapman di adres, kote ki wap rete ya, moun ka pè pou wwa, ok? Eske se ou mèm ka pè pou tèt pou? Est-ce que c'est sans d'arrêt les yon relative other person
ou à 9 heures, ou à mettre lit, et puis ou à mettre tout, ou à besoin d'informations sur le monde, ça. Si c'est frère là qui paye, ou bien si c'est madame ou elle, ok, c'est aussi simple que ça, ok? Donc, nous allons remplir partie ça, après ça, l'appliquer. Tu avais le compagnon, nous, tu avais le compagnon, hein? Mais ni, c'est, nous allons poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a voyagé avant? Okay. On nous remplit partie ça. Un petit conseil pour section ça. Et on t'a dit, où sont les gens qui sont jeunes, les toujours bah, plus valeur lorsqu'on dit c'est au cap payé triple. Vous comprenez? Fait généralement, si vous avez 80 ans, ok, au cas 10, c'est petit tout, c'est pas un problème. Mais au monde qui est jeune, ils sont professionnels, ils sont plus bons lorsque c'est au même qui a payé triple. Comme ça, tout. Si c'est, en fait, c'est des cas, hein, si c'est madame, vous comprenez qu'elle fait son visa pour, elle doit dire c'est 7. On l'autre monde, vous comprenez, il y a madame. Mais le plus souvent, pour des gens qui sont jeunes, officier à base, ça a plus d'importance parce que c'est le monde qui a payé voyage. Vous comprenez? Il paraît beaucoup plus responsable. Mais ça arrive tout. En fait, toutes questions. On dit, il y a des gens qui sont en 60, 50 ou, et autres, ça arrive que son monde qui a payé pour tout. Vous comprenez? Ok, donc c'est qu'on apprend. C'est un advice. Pas qu'on garantit à 100%. Ok. Nous partons pour, next là, qui c'est, tu avais le compagnon, côté globalement, la question, avec qui est-ce que tu vas voyager? Soit voyager pour contribuer avec l'autre monde. Donc, on clique pour Travel Compagnon qui c'est next. Travel Compagnon qui c'est next, une petite question bien easy. On va quand même vous dire, c'est bon l'autre monde qui a travaillé. Puis, pour le monde, c'est pour continuer à voyager. On clique no. Et puis, next là, côté on va parler de Preview US Travel. Côté on va demander, est-ce que dans le passé, où t'es qu'on habitué ou bien où t'es fait un voyage dans l'US? Pas mal, maintenant ça. Et si t'es qu'on voyage ou fait dans l'US, il y a, là, on fait finger point où il y a pour, on va mentir, on va avoir visa. On va même aller bien mentir. Ou bien tout soutenir gain en fait gain moun ki pense ko ka fè mesdames soutenir USC whatever ou te déporter ou pa yal dé fè mandat fè mesdames ça parce que lè ou pral fè screening non y a wè ou y a vinn wè côté nan pays ya illégal ou te fè zak pa besoin prendre chance y a wè quand même OK donc preview person traveling with you et no puis fò moun te no y a mete preview US travel an gade sa li preview US travel preview US travel c'est des questions à poser est-ce que tu es qu'on habitué venir USC déjà. Have you ever been in USA? Il faut monter non. Et have you ever been in your visa? Si vous avez un visa déjà? Yes ou bien non? Si c'est yes, toi, mettez-le. Have you ever been refused? Est-ce que vous avez un refus visa déjà? Yes ou bien non? Et est-ce que vous avez file immigrant petition on your behalf? Est-ce que vous avez un monde qui te file? En fait, il y a des gens qui vont poser des questions sur ça. Et on a dit que maman, ou bien mari ou madame, whatever, you moon, qui aux États-Unis, t'es quand t'en fais une application, ça n'est pas un immigrant visa, avec dit, on bagaille pour car. En fait, l'homme dit immigrant visa, son autre cas, il est revenu, c'est pour gagner un permanent résident. Et quand on a posé la question, est-ce que si moi, déjà, un monde qui déjà sur application, qui gagne un cas immigrant visa, est-ce que entre temps, mon n'a pas revenu, moi, capable à le faire, demande un visa pour lui? Oui, mais il est difficile. En fait, lui, oui, il faut mon nom, parce que vous faites 15 comme ça, côté que, il remplit, il y a application pour Marie, déjà, et puis Marie, elle a demandé visa au Bali. Mais m'a dit, nous, que, lui, pas facile, lorsque déjà, bon, immigrant visa pour Allemand, le visa BNB2, parce que rien doit dire, bon, déjà, bon, 15 déjà, peut-être qu'on a aller pour tout arrêter, pour finir faire 15 ou, non, oui, c'est, vous comprenez? Donc, mais, as long as, comprenez bien. Aussi longtemps qu'on a prouvé qu'il y a un minimum de stabilité, qu'on soit professionnel et autres, qu'il y a des activités en Haïti, il y a pas où. Ça l'est, vous comprenez? Mais dans le cas, ça, comme dit, officier, généralement, des pour un immigrant visa. Non, bien dit ça, qu'immigrant visa, oui. C'est lorsque vous avez une famille, whatever, il y a son frère qui fait une pétition pour vous, il y a un frère citizen, by the way, il y a un mari ou bien madame qui fait une application pour vous, ou bien maman, papa, whatever, petite fait une application pour vous. Et dans le cas, ça, pour un bon visa BNB2, officier a un petit gens à gratter tête, parce que il pensait que peut-être que, puisqu'on a une caisse déjà dans l'USC, peut-être qu'on a aller pour tout arrêter, ok? Mais nous dit, nous avons des cas déjà qui sont traités, côté que y'a un bon. Maintenant, en fait, dans le cas, ça, nous n'avons pas de gain en compétition, le mettez-nous. Sous qui est tout, ils sont éléments positifs, tout, aussi longtemps qu'on montre qu'on sont professionnels. Maintenant, nous finissons après Preview Travel, nous avons parti dans l'US Contact, et nous dit, qui est-ce qui contacte ou? Qui contacte que vous gagnez aux États-Unis. En cliquez sur le livre next pour nous aller là-dedans. Parti ça a demandé, mais qui est-ce qui prend contact? Puis, pour le monde, ça a mis dans ça, c'est une famille. Soit maman, papa, frère, c'est whatever. Monde que vous avez vu, comme ça, tout parfois le capable d'organisation, tout. Et bien, on l'église, ou bien, un club culturel, whatever, vous avez mis. Donc, là, nous allons mettre nos monde contact qui dans l'USA. Généralement, quand une famille. Et puis, relationship.
Est-ce que moun sa se madame ou zami ou? Ok, whatever. Ou bien on va mettre relatives. Laisse-moi voir où vous mettez l'adresse là. Et autres. Donc c'est à peu près ça. C'est ça, nous les us.contact. Donc nous allons finir avec ça. Après ça, on a cliqué next pour family. C'est côté vraiment où est-ce qu'on marie, whatever. Okay. Maintenant, on a rempli ça. So, moi, je finis en rempli l'information pour faire les points de contact. Je dis que tu vas venir. Remarquez, moun sa gen do a an fami, li ka an zanmi tout, kapab nimpot, ok? E, don, nou mette adres moun nan la, nan ni, pa gran ayen de sorsye. E pi, nan aplike sou next ki prale family. Remarquez, bien apre, sa nan ap gen work and education, nan di travay, aktivite kwa menen, ou bien l'ekol ou. E pi, deni pati apre, sa nan li background, security, pou nou ka fini aplikasyon. An ali, an klike sou family. Ok, nous avons parti Family Information. Donc, c'est simple, il y a pas mal d'informations sur nom, maman. Ok, date de fête, papa aussi, papa citizen, maman, papa. Ok. Et il y a des questions sous gagné, yon immédiat relatif. Ça veut dire sous gagné. Immédiat relatif, généralement, c'est petite, madame, ça deux choses, maman, papa. Sous dit yes, il y a bonne possibilité pour mettre, en fait, nous là. Relation qu'on est capable d'avoir avec elle, c'est soit lui, mari ou bien madame, fiancée, et puis et petite, ou bien ça veut dire soeur ou bien soeur, frère ou bien soeur. Ça veut dire sous-gain, on ne doit pas gagner immédiat relatif, ok? On doit avoir un ami, ok? Donc c'est ça, nous dit, nous n'avons pas qu'à parler de famille, ok? Donc, next, ça n'a bien pour nous, work and education. Donc, moi, je vais remplir partie. Et famille, m'a mettez non, maman, papa et autres. Donc, on va le faire après ça, nous allons aller pour partie qui parlait de qui travaille ou fait. Il y a des fois, il y a un business ou fait, tout ça parlait de qui activité ou fait. Et puis, on va poser des questions tout sur éducation, dans quel niveau l'école côté arrivé. D'accord? So, je nous dis à la section, ça c'est pour maman, papa. Et en fait, là, pour question, en fait, il y a un qui dit surname. Surname, c'est ça, c'est le signati. En créole, signati. Il vient de les mêmes les prénoms, ok? En fait, je m'a dit si maman lui est citizen, ou dit non. Je m'a dit est-ce qu'il y a l'autre immédiat relatif? Avec immédiat relatif, nous bien dit c'est maman, papa, petit ou fort avec ça. Si on dit yes, on mettait lui. Ça arrive qu'on va prendre des visas sans amis. Il y a un côté au bon choix pour mettre l'autre relatif. Okay? Donc, automatiquement, nous finissons pour partir ça. Nous allons entrer dans ça les travail ou éducation. Enfin, nous allons prendre security background pour être capable de finir. On clique sur les work and education. Okay? Nous constatons que nous sommes très avancés, nos points personnels, adresse, passeport, travel, privé, US travel, US contact, family. Actuellement, là, nous sommes en work and education. Et dernière question, c'est Security Background qui facilite même ces questions après moi. Yes, no, yes, no, yes, no. Donc, plus ou moins facile. Maintenant, là, il parlait de travail ou c'est ça. Donc, il dit, qui activité ou gain? Peut-être ou gain doit peut-être son étude, un moment, pourquoi travail? Mettez-les, ça va dépendre. Car il y a les primary occupations. Qui ça fait comme occupation dans le moment? Okay? Donc, on va choisir un secteur donné. Il y a plusieurs secteurs. Il y a business. Il y a un grand monde. Il y a un grand monde. Il y a un grand retired. Ou bien, on est capable de dire notre employeur. Il y a des gens qui âgés, qui pas employés. Whatever. Là, on va choisir qui est-ce qui peut approprier dans ça. Et puis, les profils font ça. On est capable aller dans Security Background, qui c'est dernière étape là. Voilà, pas grand rien de sérieux dans ça. OK? Maintenant, pour un exemple, mon cap travail en éducation. Premièrement, il y a Mando, Present Employers. En fait, c'est, et j'avais dit, il y a Mando, non compagnon. Ça, car c'est l'école ou dans l'université, on peut dire dans l'université. OK? Il y a Mando adresse, li. OK? Nous n'avons pas de state en Haïti. En fait, quand tu as nous connaît l'école Haïti. Et puis, on va demander qui date tout est commencé le travail ça, combien comme en moyenne, pas vrai, on va faire par mois. Et puis, il demande une description de Sandarélé, qui ça va faire comment. En fait, on a dit mon dans l'école, si on a dit mon ça est un professeur, mais mon ça a dit, là, enseigner mathématiques, whatever, l'autre bagarre là. Quand ça trouve, il y a un business, on va faire. Là, on va mettre self-employed, on met adresse, et puis, il y a cliquer does not apply, et puis, ou décrit, ça va faire acheter, vendre, whatever, ou bien va son professionnel. Okay? C'est ça qui gagne dans le chapitre à côté, il y a parlé work on education, ok, training, c'est parti ça. Okay? Donc, nous allons remplir pour aller cliquer dans la dernière partie, qui c'est background, qui c'est des questions, yes, no, mais qui est important tout.
c'est des questions à regarder. Est-ce que vous êtes un bandit? Est-ce qu'on a un problème dans le pays? Okay? D'accord. Donc, on finit par parler de job là, de adresse là. On parle de qui ça mon a fait comme activité. On fait une explication qui ça mon a fait. Et puis, nous parlons de la dernière partie, dans l'application qui c'est Security Background, qui c'est pratiquement des questions yes, no, qu'on a supposé répondre. OK? D'accord. On a dit. Jean-Noël là, Security Background, il y a 1, 2, 3, 4, 5 parties, mais c'est des questions faciles. Et le plus souvent, on dit bien, le plus souvent, on va prendre pour lire, c'est non parce que, par exemple, première question, il dit, est-ce que vous gagnez maladie qui est capable de communiquer, qui semblait une menace publique? OK? Donc, remarquez bien, soit dit yes pour ça. Donc, et derrière, il y a une explication. OK? Il y a toujours fait exception. Il y a toujours fait exception. On dit, pis fort réponse, c'est non. Est-ce qu'on a un problème mental, disorder? Est-ce que vous allez quitter dans le pays, mon bien mental, ça qui arrive, qui doit aller expliquer son traitement spécial, on va le faire. Ça fait notre bien des exceptions, on va les cliquer, ça m'a demandé d'expliquer. Donc, c'est non. Est-ce que ou sont drogue abuse, ou sont addicts? Okay? Donc, c'est des questions de sécurité, on dit, puis forcément, non, oui, parce que des fois, on dit yes, mais souvent, à part quelques exceptions, exceptions, vont être capables d'explications précises, des situations particulières, mais généralement, l'ordre dit yes dans la question ça, eh bien, ou pas dans le visa. Donc, nous allons finir avec partie 1. Moi, pour aller traverser dans la partie 2. Security background 2. On a actuellement la partie 2. Est-ce que vous êtes arrêté? On dit non, non, non. C'est pas easy. En fait, on a mis toute partie 2 à non. OK? On a pour qu'avant qu'à aller pire. Tout ça, on a mis non, non, non. On a traversé dans 3 et puis on a fait 4. Tout n'a pas été non. On va besoin de sauvegarder le temps. On va besoin de montrer tout. OK? Donc, nous, en dernier, security background, hein, qui c'est partie 5 là. Donc, nous répondons non. Et puis, dernière partie, on va parler de photos. Photos qui ont été déjà upload déjà. D'accord? On va cliquer sur photo. En fait, nous, ça, c'est fini là. C'est dernière phase là. En fait, demandez-moi upload photo. Donc, généralement, c'est le fait que moi, t'es font un petit campé sur le computer, vous allez faire l'autre bagaille. Et après, vous devez connecter ça qui fait demander une photo. Mais, il était supposé toujours qu'un des photos que vous avez déjà sur le système là. Et remarquez bien, ça qui arrive que le processus là long, pour raison pour l'autre, soit besoin de manger, ou bien on a dit pita, on va tourner sous l'application. Généralement, ça a besoin d'application en ID, et puis va bien, il y a des security questions, on a besoin qu'on ait, et puis année mon en fait, et puis 5 lettres chiffres dans last name, mon ça nous les signatures mon nom, ça permet tout, retrieve, ça veut dire retrieve là, ça permet que, ou rentrer en application, sans pas besoin de commencer à zéro. Donc, on va expliquer pour nous. Moi, je dois commencer l'application, moi, camper dans où? Pour une raison, pour l'autre, je tourne sous l'idée, mais. Donc, grand section qui parlait de retrieve là, ça me fait, juste, cliquer sur retrieve là, et puis, il y a des questions, m'a besoin de répondre, m'a montré l'application IDEA, ok? C'est ça que nous, il faut toujours mettre l'autre côté, de vous commencer l'application. Application IDEA, regarde, t'as écrit l'autre côté, et date, mon en fait, année, last name, mon et puis avec security question, c'est ça qui permet de rejoindre l'application. Donc, nous allons upload photo là. Et bien que, si nous pas de camper, photo va tout paraître là. Nous te connaissons déjà, photo à bon. Maintenant, avant d'aller dans la partie des reviews, ça veut dire l'application finie là. Nous cliquons sur review pour nous rechecker. Est-ce qu'il y a des informations pour nous corriger et autres. Donc, c'est avec ça. Nous cliquons sur review. Je nous vois là dans la section review. C'est presque tout ça qui est entré. Justement, nous allons regarder. En fait, nous allons regarder si toute information est correcte. C'est à peu près ça. Donc, nous juste déboucher l'information. Et donc, voilà. Et puis, dès que vous faites une review, et puis, d'assez, ça veut dire que ça nous va l'année qu'à en bas, nous faisons next, next, nous review tout ça. Yo. Et puis, pour nous arriver d'en faire, en montre. En fait, dans le même cas de review, on va nous faire next, travel. OK? Jusqu'à ce que nous fassions une review net. OK? Dernière partie dans review, hein? C'est où tu dis nous next, sign and submit. Ça veut dire nous allons signer. Pour une submit application. Ça veut dire, l'un cliquez sur ça, l'un submit là, nous allons pour notre numéro de passeport pour nous encore, et puis pour une cassant, c'est fini. Donc, nous allons faire ce côté que nous avons pour une submit application, et sign. En fait, nous lisons ça, et puis, il y a le second monde qui a assisté ou doit faire l'application, si vous avez dit oui, sinon on dit non. Et puis, qui s'allie, on est entré passeport numéro nous, et puis on entre code ça pour nous capable submit application. Bagay qui est vraiment easy de vous cliquer submit là. Ou finir avec l'application. Avec mon balance de passeport, et ma montre code ça, et puis je suis capable de submit l'application. Donc là, mon entrée de passeport, mon entrée code là, et puis je vais cliquer sign and submit. Oui, mes nouvelles là en bas, je dis non,
successful signed and submit. Je dis non, non, bon, we va brûler une dernière page, nous finissons le submit, et puis nous allons aller pour confirmation. Confirmation, c'est ça que parle Moto, ça nous a et application, en fait, confirmation de l'application. On clique sur lui. Donc là, nous finissons, mais confirmation, non? En fait, on a besoin de documents, ça, on va l'interview. C'est la première phase, by the way. Pas bien que deuxième phase, c'est que nous passons l'autre, j'en dis déjà, sur notre website, pour nous entrer des informations, pour nous capables de choisir, pour nous faire setup qui date d'appointement. Ça va dépendre de nous, ça va dépendre de l'émission de docteur qui open ambassade la gagne, ou a bien pour payer. Ça, c'est l'autre vidéo, on a bien pour parler de lui. Donc, ça, c'est confirmation, avec comme advice, ou supposé pointe ça, ou pointe lui, ou pointe confirmation, pour gagner un copie normal, parce que de toutes les façons, les gens n'ont pas aller pour interview, elle a besoin de ça, ok? Donc, nous simplement barrer des informations pertinentes sur l'application. Donc, nous avons besoin pour prendre ça, pour gagner mon copie. Si c'est pour préparer mon copie, pour vendre copie, ben, mon nom soit via mail et autres, parce que anyway, il a besoin. Et donc, ça, c'est phase 1 dans le cadre de démarche pour faire application visa B1B2. Phase 2A, j'en ai dit dans le commencement de la vidéo, on a besoin pour aller sur US Travel Doc. Ok, acheter. C'est là-dedans, nous parlons, si vous êtes un new user, mais dis au monde qui parle pour la première fois. Si vous êtes qu'on a déjà, parfois, qu'on est important pour changer information sur ancien compte, on va passer, vous pas jamais changer compte, là. Il y a monde qui compte perdre 10 comptes, laisse ça, peut-être, avoir besoin pour aller au téléphone, pour qu'on va permettre de joindre accès pour login, account, là. Si vous êtes qu'on a déjà, ok? Donc, ça, c'est phase 1, qui c'est application, hein, qui est application Visa finie, là, confirmée. Mais nous allons gagner pour nous setup appointement qui c'est un autre processus que nous allons gagner pour nous dans la prochaine vidéo. Parce que nous disons c'est une série de vidéos sur démarche pour visa B1B2. Ça nous est les business personnel visa. Donc à la fois pour business et à la fois pour personnel, ça veut dire touriste, visiteur, ce genre de choses. Donc c'est dans ce sens ça. Donc nous allons rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo et qui a qui côté que nous parle setup, nous parle qui j'envoie nos setup, appointement, et nous avons une autre vidéo encore qui nous dit ça que nous avons besoin dans mais nous comme des informations supplémentaires. Et dans le cas de pour une application Visa B2. Mais notez bien, nous préparons généralement, il permet tout, on dit bien organiser dossier pour interview. Mais pas bon garantie à 100% dans le cadre de un visa. Et B1B2. Nous bien dit pas qu'on garantit à 100%. Parce que quelque part, officiel a une certaine discrétion. Ça veut dire que chaque année, il y a une quantité de visa pour vous. Il n'y a pas qu'à dépasser d'ailleurs. Ou bien, dans l'interview, remplir toutes conditions ou son potentiel candidat pour une raison pour l'autre. Officiel a un droit pas qu'à ou. Donc, pas dire que c'est pour bagarre ou un droit, c'est à la discrétion de l'officier. Okay? Donc, pour des raisons, chaque année, ils ont une quantité. Et comme quoi, ils ont un budget, visa à son quantité, ils ont un budget à gérer. Donc, ça arrive pour une raison pour l'autre, dans la période de l'année, si vous êtes dans le bail trop, vous avez choisi de commencer à diminuer. Ils ont ensemble, ça va dépendre de qui parti, qui au pouvoir, tout. Mais en fait, on nous dit clair, vous avez plus de chance si vous avez un monde qui permet de comprendre le processus-là, ou préparer le dossier mieux. Okay? Donc, vous avez peut-être plus de chance. D'accord? Et donc, on est là, nous pour aller dans Pointly. Et puis, next vidéo, on a bien pour nous parler de appointement. Donc, pas oublier que vidéo, ça nous a donc une playlist qui s'appelle Démarche pour visa B1B2. OK? C'est comme ça qu'on a appelé. So, chaque fois besoin de playlist parce que nous mettons ensemble de vidéos sur démarches pour joindre visa B1B2 dans l'USA dans une playlist. Sauf so, qu'à fait, ou bien doit aller, en fait, non, ou bien doit cliquer sur ça. En fait, ça qui est en cours loop là parce qu'il permet de faire recherche. Ou cliquer les puis ou taper Palmis avec Mapulakai. OK? On tape Palmis avec Mapulakai pour cliquer ou peser les. La menon exactement sous page noire. Voilà. Maintenant, l'arrivée sous page noire, ça au café ou qu'à aller par exemple, bon bagage qui est les library, ok, sous tablette. En fait, toute playlist là, sous tablette, chercher soit en bas net, ou à besoin ou à besoin playlist. Mais c'est bah là, soit aller dans la library, ok, dans la library elle-même, gagner toute playlist. J'en ai là, nous ouais, nous gagner des marches pour joindre visa B1B2A. Et nous pouvons mettre en quelle vidéo? C'est la première vidéo que nous allons mettre sous lit.
Donc voilà. Donc toute playlist nous là, les grands dossiers de Lionel, la voix de l'Amérique et autres, petit causé sur l'immigration. Donc des fois dans la librairie, on va joindre une playlist, la démarche là, et ça va permettre de voir toute série de vidéos. D'accord? Ok.